Donc voilà le moteur. Avec la jauge, remplissage d'huile. Et après, on va aller enlever les caches en dessous pour faire la vidange. Voilà le devant de la voiture. Virer tous les caches. Et après, on va attaquer. Donc voilà, le cache est enlevé. Regardez pas les fuites d'huile, mais on arrive au carter et le bouchon. Le voilà. Donc là, je l'ai pris de l'autre côté, vu de l'arrière, pour essayer de vous montrer. Je sais même pas comment. Là-haut, super pas accessible. Le filtre, voilà, on le voit. Le filtre à huile, j'espère qu'on le voit. Oui, voilà, le filtre à huile là-haut. Donc, vu de ce côté, je pense que le filtre à huile. Et là, sera plus accessible de ce côté. Ça va être coton. Un clé de 13 pour le bouchon de vidange. Alors, je ne l'ai pas ouvert complètement. Comme ça, je ne dégueulasse pas les plastiques qui sont déjà pleins d'huile. Et ça coule direct dans le seau. Alors voilà le bouchon. En fait, il est bien conçu parce que il y a des trous justement pour ne pas le desserrer à fond. Et comme ça, l'huile elle coule par les trous. Pas compliqué. Efficace. Bon, voilà le fameux filtre. J'ai réussi à l'extraire. Mais alors, je vous dis pas, c'est vraiment, il y a de l'huile qui coule partout, c'est vraiment le merdier. Maintenant, le plus dur est fait, il n'y a plus qu'à le remplacer et le remettre en place. Voilà le vieux filtre enlevé avec les vieux joints. Le filtre neuf est en place, les joints sont changés. Maintenant, et bien on va retourner là-bas, une main de chaque côté, et allons-y. Alors, pour atteindre le filtre, de ce côté, j'ai passé ma main par là, sous le plastique, pour aller choper le filtre. Bien sûr, on verra rien. Mais bon, pour aller choper là-haut. Donc ici, c'est le bouchon. La main passe à côté du bouchon et on va par là. Là, c'est pour la main droite. Et pour la main gauche, je passe entre les trucs ici. Là, j'envoie ma main jusqu'au coude et je peux choper là-haut. Mais bon, là, je pense que ça va être compliqué à voir. Enfin, voilà, je sais pas si on voit ma main, mais c'est peut-être très compliqué. Mais enfin, voilà, une main par là et une main par là. Et là, il est remis en place. Maintenant, on va pouvoir faire le plein d'huile. Bon, ben voilà. Maintenant, on va mettre de l'huile. Je vais mettre de la 10-40 parce que on va arriver à la saison chaude. Et comme il y a des fuites, ce sera un peu moins liquide. Et je vais mettre ça.
pour voir si ça fonctionne, parce qu'on avait déjà mis un, mais avec la vieille huile ça n'a pas tellement bien fonctionné. Donc allons voir, et c'était pas la même marque. Bon voilà, j'ai remis l'huile hein, comme d'habitude, ça, il n'y a pas de complication, ça tourne. Donc pour celle-ci c'est 4 litres 6, donc 4 litres 3 d'huile et 0,3 du produit pour l'antifuite. Voilà, on n'a plus qu'à voir si c'est efficace.